arrivée. Les usagers de la mer doivent rester vigilants face au risque requin. Différentes mesures ont été prises par les autorités locales pour limiter l'exposition à ce risque. La baignade et la pratique de certaines activités nautiques peuvent s'effectuer dans le lagon. Et les zones surveillées et aménagées, notamment par des filets de protection, sur certaines plages des communes littorales de Saint-Paul et les Tanzanies. Tout contrevenant peut faire l'objet d'une verbalisation. Ladies and gentlemen, you're going to stay in Reunion Island. Renowned for its biodiversity, of which a large part of the territory is classified well the return of humanity. The collection of shells and corals is forbidden on the whole coastline. It is strictly forbidden to import fresh fruits and vegetable plants and roots, whatever their origin. It's also forbidden to import animals and animal foodstuffs from any country other than the European Union. If you are concerned by these rules, please contact Customs Service on arrival. We remind users that they should be aware of the shark attack. Various measures have been taken by local authorities to reduce exposure to this risk. Swimming and certain nautical activities are allowed in the lagoon and in monitored and fitted outdoors, particularly on certain areas of the coast of Saint-Paul and Les Antilles, where anti-shark safety nets have been installed. Offenders may be subject to verbalization. Thank you.
on y est. Retour au pays après 45 ans. Oh, même si j'ai fait des allers-retours. Hein. Mais là, c'est un moment particulier. J'ai quitté La Réunion le 20 février 1978. Et je reviens le 26 avril 2023. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée et ce jusqu'à destruction de la consigne. Nous prions d'être attentifs aux éventuels chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous remercions de votre voyage avec Air France, Air France et ses partenaires SkyTeam. Je suis parti à Air France en 78 et je reviens avec Air France en 2023. Ouais. Voyage est terminé. Salut à tous.